jeunesse vaillante, jeunesse consciente, lève-toi et prie pour Jésus. Toi, soldat du grand roi, la flèche de Dieu, de nos faibles que nul ne défaille. Ô jeunesse vaillante, jeunesse consciente, lève-toi et prie pour Jésus. Toi, soldat du grand roi, la flèche de Dieu, de nos faibles que nul ne défaille. Et au sentier de la gloire, Jésus nous conduit, jamais nous n'échouerons. 1 Jean chapitre 1. 1 John chapter 1. Je vous ai dit, si quelqu'un te dit, I told you that if somebody tells you, que tu n'es rien, that you are nothing, il ne faut pas accepter. Do not accept that. Parce que ce que tu es, because that which you are, vient d'un décret de Dieu. Stems from a decree of God. Ça ne vient pas d'une faveur humaine. It does not come from a human favor. Ça ne vient même pas de toi-même. It does not even come from you. Ça ne vient pas de toi-même. It does not even come from you. Ça vient de Dieu. It is from God. Avant même ta naissance. Even before you were born. Là où tu es assis. Where you are seated. Si quelqu'un te fait du bien. If somebody does good to you, il se fait du bien. He is doing good to himself. Parce que quand tu es dans le dessein de Dieu, because when you are in the purposes of God, tu es une source de bénédiction. You are a source of blessing. De telle sorte que quand quelqu'un te bénit, so that when somebody blesses you, la personne attire sur elle-même la bénédiction de Dieu. The person attracts the blessing of God upon himself. Là où tu es assis, where you are sitting, tu n'as pas le droit de te haïr. You don't have the right to hate yourself. Parce que tu ne t'appartiens pas. Because you do not belong to yourself. Il y a des gens qui disent je préfère mourir. Tu n'as pas le droit de penser au suicide. There are people who say that I prefer dying. You don't have the right to think about suicide. Tu appartiens à Dieu. You belong to God. Quand l'homme est tombé dans le péché, when man fell into sin, Dieu s'est assis. God sat down. Il a conçu un plan de rédemption. He conceived a plan of redemption. Dans lequel sont renfermées toutes les bénédictions spirituelles. In which all the spiritual blessings are encompassed. Et cela est écrit. And this is written. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Là où tu es assis, where you are sitting, tu ne peux pas retourner. You cannot backslide. Amen. Vous savez, you know, tu as dit aux enfants d'Israël, God told the children of Israel, ce que vous voulez, what you want ne va pas s'accomplir. Will not be accomplished. Vous voulez retourner dans le monde, ça ne va pas réussir. You want to go back into the world, it will not succeed. Amen. Dieu est un berger. God is a shepherd. On n'a jamais vu un berger qui dit aux brebis partez, partez. We've never seen a shepherd who tells the sheep, go, go. En tant que berger, as a shepherd, essaye. Try. Nous sommes des hommes, non? We are men. Prends une semaine, essaie de retrograder. Take 1 week, try to backslide. Si tu réussis, if you succeed, je dépose le micro. I lay down the microphone. Tu ne peux pas réussir. You cannot succeed in backsliding. Écoutez. Listen. Qui a déjà retrogradé, il est revenu, lève la main. Who has already backslided and came back? Raise your hand. Vous voyez? You see? Pourquoi vous êtes revenu? Why did you come back? Ça n'a pas marché. It didn't work. Ça ne peut pas marcher. I want to backslide. Moi-même, j'ai essayé, ça n'a pas marché.
And then you tried to come and see them. I myself tried, but it didn't work. I tell you the truth. Let no one deceive you. Si vous entendez, if you hear que quelqu'un a cru, that somebody has believed, qu'il a rétrogradé l'insulte de Jésus, il n'avait jamais cru. Ça ne croyait pas. And that he has backslided and insults Jesus. Do not believe that that person believed. L'apôtre Jean dit, Apostle John said, ils sont partis, they went, pour prouver qu'ils n'étaient pas des nôtres, to testify that they were not of us. Si quelqu'un réussit, if somebody succeeds, il n'avait jamais cru. To backslide, that means that he had never believed. Et le fait de rétrograder est une preuve qu'il n'est pas né de Dieu, il n'est jamais né des entrailles de Dieu. The fact of backsliding is an evidence that he was never born of God. Donc tu fais chan-chan, ça ne marche pas, tu vas revenir en rendant grâce à Dieu. You do chan-chan, it doesn't work. You come back giving thanks to God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es tenté, attention. If you are tempted, beware. Ça c'est l'œuvre du diable. This is the work of the devil. S'il a tenté Jésus, if he tempted Jesus, que personne ne te trompe, que tu vas évoluer sans la vraie tentation. Let no one deceive you that you will evolve, go forward without real temptation. Et ce n'est pas parce que tu es tenté que tu dois tomber. And it's not because you are tempted that you must fall. Jésus n'est pas tombé. Jesus didn't fall. Il est resté ferme. He remained firm. C'est ce que Jésus attend de toi. This is what Jesus is expecting from you. C'est pour cette raison qu'il dit, n'aime pas le monde. That's why he says, do not love the world. N'aime pas le monde. Do not love the world. Le monde, c'est quoi? What is the world? C'est il y a plusieurs définitions du monde. There are many definitions of the world. Il y a la définition qui veut qu'on voit le monde comme l'univers. There is the definition that wants us to see the world like the universe. Comme un espace géographique. As a geographical space. Le monde. The world. C'est cette communauté humaine sans Dieu. Is this human community without God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est cette communauté-là. It is that community qu'on appelle le monde. Et on peut parler des mondains. Quand on dit quelqu'un est mondain, tout le monde comprend déjà ce que ça veut dire. It is because of that community that we talk about worldly people. When we say that somebody is a worldly man, we understand this. Quand on dit les choses du monde, I said the things of the world. Je vais vous dire une chose. I'm going to tell you something. Beaucoup pensent que many people think that quand on dit les choses du monde, when we say the things of the world, il s'agit de la voiture, la télévision, les maisons. It's about the car, the television, and the houses. Quand tu lis très bien la Bible, when you read the Bible carefully. La parole dit, the word says, il y a les choses, there are the things qui sont dans le monde, which are in the world. Relisons le passage de l'autre jour. Let us read the passage of the other time. Chapitre 2, verset 12 à 14. Chapter 2, reading from verse 12 to 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous ai écrit, Jean, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous
vous avez vaincu le malin. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Lire le verset 15. Now, what are we going to do? Let us read verse 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, écoutez ce qui est dans le monde. All that is in the world, listen to what is in the world. La convoitise de la chair. Est-ce qu'on a dit l'avion? Did I mention the plane? La moto. Or the motorbike. Ce qui est dans le monde. That which is in the world. Continue. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. The desires of the eyes. Et l'orgueil de et la l'orgueil vie. De la vie. And the pride of life. Oh, quand on dit les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? C'est la fornication, l'adultère, le vol. Ce sont ces choses. Quand on dit les choses du monde, c'est ça qu'on appelle les choses du monde. La convoitise, l'orgueil de la vie. Ce n'est pas les habits, les mots. Tu prends ta moto, là, tu brûles. Tu n'as rien fait. What we said, the things that are in the world is not a car or a motorbike, but it is the sexual immorality, the desires of the eyes. Lire dans Philippiens chapitre 5. Read in Philippians chapter 5. Il y a des gens quand on dit les choses du monde. There are people when they say the things of the world. Ils voient les démons. They see the demons. La Bible dit que c'est quelqu'un qui est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, la produit, c'est le démon. So there are people who think that they based on the scripture that says that when somebody has believed the past things, the old things have passed away. And for them, les choses anciennes, ce sont les péchés. Il y a une liste des choses qu'on appelle les choses du monde. The old things are the sins. There is a list of those things. Lis. Read. Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 1. Ephesians 5, reading from verse 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Vous avez cru. You have believed. Devenez les imitateurs de votre Père. Become imitators of your Father. C'est ce que la Bible dit. That's what the Bible says. Continue. Continue. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. As beloved children. Ne pas imiter Dieu, c'est un échec. Not imitating God is a failure. Dieu dit que nous sommes ses enfants. God says that we are his children. Il doit constater que nous sommes en train d'être comme lui. He must notice that we are getting like him. Oui, continue. Continue. Verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité. Vous voyez? You see? Les choses du monde. The things of the world. L'impudicité. Immorality. Il n'a pas dit le vélo. He did not say the bicycle. Ou bien la tablette. Or the tablet. L'impudicité. Immorality. Continue. Continue. Qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Continue. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Ni... Écoutez bien la révélation. Quand on dit les choses du monde, listen to the revelation. C'est ça qu'on appelle les choses du monde, le mensonge, le vol, la cupidité. Continue. Continue. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Et je vais vous dire une chose. I'm going to tell you something. On peut passer une semaine ici. We can spend one week here. Tu n'entendras pas imbécile. You will not hear foolish man. On danse ici, on joue. Si ça sort de la bouche de quelqu'un, tout le monde va se retourner pour regarder qu'ils sont tous. We are dancing here, we are playing. If it comes
thumbs up of the man of somebody. Everybody would turn and say, who is that man? Pourquoi? C'est une chose du monde. Why? Because it is a thing of the world. Pas parmi nous. Which does not exist in our midst. C'est ce que la parole dit. This is what the word says. Continue. Continue. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce. Thanksgivings. Continue. Continue. Verset 5. Car. Écoute. Listen. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise. Écoutez. Listen. Écoutez la sagesse de Dieu. Listen to the wisdom of God. Continue. Que continue. Personne ne vous séduise. Let no one deceive you. Par de vains discours. Par de vains discours. By vain words. Car c'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses-là. It's because of these things. Mensonge. C'est à cause de ces choses. It's because of these things. Que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que Dieu va juger les païens. That God will judge the unbelievers. Que personne ne vous trompe que en vivant dans les mêmes choses, Dieu va vous aimer. Let no one deceive you that while living in those things, the same thing, God will love you. Et ce sont ces choses-là qu'on appelle les choses du monde. And it is these things that are called the things of the world. Que personne ne vienne avec une capacité habile de te tromper, parler beaucoup, beaucoup, de dire non, ça ne fait rien, Jésus est mort à la croix, nous sommes pardonnés, les péchés présents, passés et futurs, donc le sang a coulé sur nous, nous pouvons faire des petites choses, certaines choses sans être rejetés, mais vous croyez que Dieu peut punir tous ces gens-ci? Et toi, si tu es là, tu dis, ah, on ne nous a pas dit ça au camp. Quand la parole t'a touché, when the word have touched you, dis ce que le Saint-Esprit met sur ta bouche. Ne dis pas le nous ici là. Ce n'est pas enseigne-nous. Non, non. Say what the Holy Spirit has put in your mouth. It's here. It's not we. Ça perd le temps. It brings us to waste time. Si tu mentais, if you used to lie, you can tell God. J'étais dans le mensonge. I was in lie. Et j'ai brûlé les radios, la télévision, alors que je suis dans le mensonge. I used to burn the radios and TV because, though I was in lie. Je suis dans les choses du monde et je détruis des choses, je détruis le matériel. Les choses du monde même sont dans mon cœur plein. I am in the things of the world and the things of the world have filled my heart and I'm destroying TV and television and other things. Tu parles de toi-même en peu de mots, Dieu te remplit. You speak about yourself in few words and God fills you. Si je veux qu'on prie ensemble, if I want us to pray together, je vais dire frère, prions que Dieu nous aide. C'est moi qui donne le sujet à ce moment-là. I will say that, brethren, let us pray that God help us. Si c'est toi qui te lèves pour prier, if you are the one who rises up to pray. Parle de toi-même. Speak about yourself. Dieu va te bénir. God will bless you. Continue. Continue. Père éternel, je te dis infiniment merci, ô Seigneur Jésus, pour cette vérité, Seigneur, que tu viens d'ouvrir mes yeux là-dessus. Ô Seigneur, il y avait jadis, ô la confusion, Seigneur, à ce sujet. Quand je regardais, Seigneur, je ne comprenais pas bien, oh Seigneur, ce qui était les choses du monde. Seigneur, je pensais que c'était le matériel, oh Seigneur. Mais tu viens d'ouvrir mes yeux, que ce sont les injures, oh les querelles, et ainsi de suite. Je te rends grâce, oh Seigneur, de ce que tu as ouvert mes yeux, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Je te rends grâce, je te dis infiniment merci pour cette lumière, Seigneur, que tu m'accordes dans ces jours, Seigneur. Celles qui sont debout. Merci, Seigneur, de me conforter, Seigneur, dans ma position selon laquelle, quand on prêche l'évangile, quand on parle des choses du monde, il s'agit du péché, Seigneur. Merci de m'équiper, Seigneur, afin de continuer
dans cet élan, Seigneur. Et je m'engage à prêcher l'évangile. Je m'engage à dire aux gens que le monde, c'est le péché, c'est le vol, c'est la tricherie, Seigneur. Je m'engage à persévérer dans ce message. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci, Seigneur Jésus, de m'éclairer ce jour, de me faire comprendre ce qui sont les choses du monde. Seigneur, je croyais que les choses du monde, c'était des vêtements, des chaussures, des voitures, des maisons. Ô Éternel notre Dieu, pour cela, Seigneur, je ne cherchais pas à en avoir. Ô notre Dieu, parce que je me disais qu'en ayant ces choses, je serais en train d'aimer le monde. Je ne savais pas, Seigneur, que c'était l'orgueil. Ô Dieu, le moi. Seigneur, le manque de pardon, l'insoumission, oh, la rébellion, la paresse. Oh Seigneur, toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les choses qui se manifestent en moi qui ne t'honorent pas, étaient les choses du monde. Oh Seigneur, je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Et les querelles, oh Seigneur, je supplie ta grâce. Toutes les fois où j'ai manifesté ces choses du monde en moi, Seigneur, dans l'ignorance, parce que je ne comprenais pas, je plaide que tu me pardonnes. Je plaide que tu enlèves les conséquences, Seigneur, sur ma vie. Oh Dieu, et je prie que tu m'accordes la grâce. Oh Père éternel, maintenant que tu m'as fait comprendre, oh Seigneur, que ce sont ces choses, que c'est moi-même, oh, ce qui se passe en moi. Père, accorde-moi de veiller sur moi. Oh Père éternel, à ne plus aimer ces choses de ce monde, je t'en supplie. Afin que tout en moi, Seigneur, soit pur pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te rend toute la gloire. Parce que ce jour, tu me montres ce pourquoi tu vas juger le monde. Seigneur, je te dis infiniment merci. Moi qui pensais que, Seigneur, tu allais juger le monde, Seigneur, à cause de ceux qui avaient des grosses voitures, Seigneur, ils ne sont pas convertis. Ceux qui avaient des téléphones pas possibles, en tout cas, Seigneur, des choses qu'on peut voir. Mais tu me montres aujourd'hui que, Seigneur, les choses du monde sont en moi. Merci parce que tu me délivres. Merci parce que tu me sauves même en ce jour. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Oh Dieu, de m'avoir pardonné, Seigneur, pour me dire que mes péchés sont pardonnés. Merci, Seigneur, d'avoir me fait comprendre, Seigneur, que les choses du monde, ce sont des adultères. Les mensonges, les convertis, Seigneur. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu me pardonnes, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Dieu, si tu me pardonnes, Seigneur, oh, je ne reprends plus ce péché. Je m'engage devant toi, Seigneur, de pratiquer la justice, Seigneur. Je m'engage devant toi, oh Seigneur, de parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. Pour leur dire que le péché, ce sont dans les choses du monde. Les mensonges, ce sont qui viennent du diable. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci. Car c'est toi-même que tu as permis que je sois attiré, quoi, Seigneur. Oh, Père, merci pour l'enseignement du pasteur Meunier concernant l'amour du monde, Père. Car j'ai compris, Seigneur. Aujourd'hui, je suis la plus heureuse, Seigneur. Car avec ma mère, lorsque je me sape, Seigneur, elle me dit, j'aime l'amour du monde. Jusqu'à j'ai pris à cœur, j'ai commencé à prier pour le sujet, Seigneur. Mais aujourd'hui, je m'en fais comprendre, Seigneur. Et je ne vais plus prier pour ce sujet, Seigneur. Car tu m'as délivré du péché, je sais que j'ai tout laissé, Seigneur. Merci, Père éternel. Car maintenant, lorsqu'on me dira, tu aimes le monde parce que je me suis bien habillée ou parce que je m'entretiens. Oh Seigneur, je pourrais dire à cette personne, l'amour du monde, ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas la voiture, mais plutôt le péché. Oh Père, merci de m'avoir déchargé. Oh Père, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
La jeunesse, les jeunes doivent vaincre le péché. The youth must overcome sin. Le problème de l'homme, c'est le péché. The problem of man is sin. Depuis que tu as cru, since you believed, est-ce que tu as déjà écouté à la CMC un message qui dit que tous ceux qui ont acheté des voitures iront à l'enfer? Have you ever heard a message in CMFI that says that all those who bought cars will go to hell? Qui a déjà entendu un tel message? Who has already heard such a message? Qui a déjà vu des frères qui ont les voitures? Who has already seen the brethren who have cars? Donc, la voiture n'est pas le péché. So, car is not a sin. Mais si tu es enflé d'orgueil, but if you are proud, parce que tu as une voiture, because you have a car, tu es déjà un candidat pour le lac de feu. You are already a candidate for the lake of fire. Si tu as une voiture, if you have a car, le pauvre ne touche pas. The poor cannot touch it. C'est les riches seulement qui touchent. It's only those who are rich that can touch it. Tu iras à l'enfer. You will go to hell. Ça veut dire que tu n'aimes pas le pauvre. Ça n'a rien à voir avec la voiture. It means that you don't love the poor. It has nothing to do with the car. Tu as beaucoup d'argent, ça ne te donne aucun péché. If you have much money, it does not give you sin. Mais si tu aimes l'argent, but if you love money, tu as péché. You have sinned. Parce que on doit aimer qui? Who shall we love? On doit aimer Dieu. Que personne ne te trompe. We must love God. Let no one deceive you. Si tu as même l'argent, bâtis l'œuvre de Dieu avec. If you possess money, you should even build the work of God with it. Jésus dit, Jesus says, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Jésus appelle l'argent les richesses injustes. Make yourself friends with unjust riches. Jesus calls money unjust riches. Prends. Take. Serve Dieu avec. Serve God with it. Tu auras une grande récompense. You will have a great reward. Si tu as un peu d'argent, if you have a little money, tu voles même la dîme. Quand ce que tu dois donner à Dieu, là, tu voles. And you even steal the tithe, that which you have to give God. Tu n'iras pas à l'enfer parce que tu avais l'argent. You will not go to hell because you had money. Ça sera que tu aimais tellement l'argent que même ce qui revenait à Dieu, tu prenais. It will be that like that you so love money that even that which was God's, you took it. Essaye de dire à un païen que tu t'es marié, ça ne lui dit rien. Try to tell an unbeliever that you have got married. It does not. It means nothing to him. C'est pour les enfants de Dieu que c'est aux enfants de Dieu que ça dit quelque chose. It means something for the children of God, to the children of God. Le mondain, the worldly man, il couche avec les femmes, c'est des concubinages. S'il est même sérieux, là c'est le concubinage. Sinon, il a la maison. The worldly man sleep with women and it means nothing to him. Yes. When he is serious, it is concubinage and because he's at home. S'il a une maison, les femmes entrent et sortent. If he possesses a house, the ladies get in and go out. C'est ces entrées et sorties là qu'on appelle les choses du monde. C'est la manière de vivre du monde. It is this coming in and going out of those women that we call the things of the world. C'est le style du monde. This is the style of the world. Personne n'ira à l'enfer parce qu'il s'est marié. No one will go to hell because he got married. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais les gens iront à l'enfer parce qu'ils ont géré le mariage avec les lois du monde. But people will go to hell because they managed marriage with the laws of the world. Il frappe sa femme. They beat the wives. C'est moi. They say it's me. L'autorité. The authority. Dieu dit ah bon. God said okay. Il dit écrivez son nom. He said write his name.
sur le livre de ceux qui entrent dans la flamme. In a book of those who get who will go into the flame. Le péché, sin, c'est une œuvre du monde. La Bible dit que les insensés font le jeu du péché. Ils jouent comme on joue au football. Là. Les insensés jouent avec le péché. Those who are fools play with sin. It's just like a joke, a play, a game for them. Un mondain, a worldly man, quand tu respectes les femmes, ils se moquent de toi. When you respect women, they mock you. Quand tu te maries, dis tu as mis une corde au cou. When you get married, they say that you have put a rope on your neck. Un mondain, il est cupide, il est avare, il est égoïste, il est enflé d'orgueil. C'est ça les choses du monde. A worldly man is greedy and he is stingy. Il ment. And he is full of pride, he lies. These are the things of the world. Il ment. He lies. Il peut jurer. He can swear. Quand nous étions petits, when we were little children, il y avait beaucoup de religieux au village. There were many religious people in the village. Tu attends, je te jure, ne me tente pas, je suis chrétien, je te jure, ne me tente pas, ne me tente pas. Moi, je suis chrétien. You can hear, I am a Christian. Do not tempt me. Quand tu I vérifies, swear. Il n'y a rien, il n'est rien. When you check it well, he is nothing. Il ment. He lies. La jeunesse, the youth, doit condamner le péché. Must condemn sin. Si tu as la victoire sur le péché, if you have victory over sin, tu iras loin. You'll go far. Tu iras loin. You will go far. Pour barrer la route à quelqu'un, to stand in somebody's way, le diable lui propose quoi? Le péché. The devil proposes sin to him. C'est-à-dire la désobéissance. That is disobedience. S'il rate, tu es parti. If he fails, then you are gone. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es tenté, if you are tempted, si tu remportes la victoire, if you win victory, au ciel, in heaven, tu es élevé. You are lifted up. Tu es élevé. You are lifted up. Le monde est dangereux. The world is dangerous. Dieu a créé l'homme, il crée les organes sexuels. God created man and created sexual organs. Ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait la sexualité. That is, sexuality is the desire of God. Dieu crée un cadre. God creates a framework. Il dit que si tu aimes une femme, c'est pas toi de ton père et ta mère, va prendre la femme, vous vivez à la maison. C'est ta femme. He says that if you love a woman, you separate yourself from your parents, you find a home, and you take the woman, you go to live there together. Le diable te dit, the devil tells you, pour Dieu là est long. That of God is too long. Vois pour nous là. See ours.
Tu rencontres une femme. Bonjour, je veux faire enfant avec toi. Directement. You meet a woman, you say, good morning, I want to have children with you. Directly. C'est ça le monde. This is the world. Après, tu laisses la femme, tu utilises la bouche, l'anus, partout. And after c'est you ça, leave the woman, you use the anus and the mouth everywhere. This is the world. Pourquoi? Le diable est derrière le péché. Why? Because the devil is behind sin. Et puis il te dit que l'homme, la femme même là, ne prend une chienne là, prend la chienne. And he tells you the woman herself, okay, now take a dog, a she dog. Vous voyez? You see? Le monde est le cerveau du diable. The world is the brain of the devil. Faut pas vous amuser. Do not joke. Oui. Yes. Gloire à Dieu. Je veux rendre un témoignage pour attester ce que le pasteur est en train de nous enseigner. Quand il disait que le monde, c'est quand les gens du monde jouent avec le péché. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'ils étaient trois amis et ils ont fait le championnat d'impudicité. Et chaque année, ils font ce championnat. Et ils comptent le nombre de filles connu au cours de l'année. Et à la fin de l'année, chacun fait son point pour voir celui qui est sorti avec plus de filles. Et il a été au moins une fois champion dans ce championnat. Donc c'est pour dire que ce sont des modes de vie définis par les gens du monde. Et c'est ça les choses du monde. Gloire à Dieu. Le diable est derrière. The devil is behind. La jeunesse doit vaincre le péché. The youth must overcome sin. Nous, quand nous avons cru, nous étions nombreux. When we believed, there were many of us. Plusieurs sont tombés. Many fell. Ils ne sont pas allés loin. They did not go far. D'autres ont été tués par la tricherie. Some were killed by cheating. Il y en a qui ont été tués par l'impudicité. Some were killed by immorality. D'autres par le vol. Others by theft. Détruit. Destroyed. Je me souviens. I remember. Il y avait un élève au lycée. Il était intelligent. There was a student in high school. He was very intelligent. Un jour, je le vois aller à l'église. One day I saw him. Tôt le matin. Very early in the morning. Il devait être en tapette. He was wearing sandals. Donc il se cache. Il a grossi. Il a enceinté une fille. Et on le cherche. Il se cache. Maintenant, il vient dans l'église de Boniface. He impregnated a girl, and then now people are looking for him. So for him to hide himself, he comes into the church of Boniface. Le péché. Sin. J'étais à Bertois. I was in Bertois. Je n'avais pas encore cru. I had not believed yet. Un monsieur, a man, m'a vu avec un jeune homme. Saw me with a young man. Il m'a appelé. He called me. Il me dit. He told me. Si tu marches avec celui-là, if you walk with this man, tu vas faire de la prison. You will go into prison. Ça c'est un ange de Dieu. This is an angel of God. Je le dis. I'm saying parce que ça m'a sauvé. Because it saved me. Je me suis séparé du jeune homme. I separated myself from the young man. Un jour. One day, je l'ai vu, il monte dans un car. I saw him, he got into a car. Il donne une destination, il dit Batouri, Batouri, comme tu peux dire, Boké, 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 il tire le coffre, il met dans la poche. J'ai dit, c'est sa vie comme ça. And then he got into the coach and he said, okay. Betoua, Betoua. As you are going to Boké, he said, Boké, Boké. Il a tiré le coffre comme un expert. He drew, the coffin. Il a mis tout ça dans sa poche. The
He drew the. Tout l'argent qui était dedans est tombé dans sa main. All the money in a box. He drew it and put it in his pocket. Et il a continué, Baturi, Baturi. And he continued, Baturi, Baturi. Un jour, one day, je l'ai vu venir. I saw him coming. J'ai reconnu mon ami. J'allais vers lui en souriant. I was going to him smiling. Je vois que lui ne sourit pas. I saw that he was not smiling. Et il ne modifie pas sa trajectoire. And he does not change his way. Je remarque deux personnes. I remark two people. Deux policiers. Two policemen. Et il est au milieu des policiers. And he's in the midst of the policemen. J'ai compris qu'il n'était pas seul. I understood that he was not alone. Jésus Christ. Donc, il allait à la Maca. Il allait déjà. He was already on the way to the prison. Quand ils sont passés, je regarde, c'était les menottes. When I saw them going, I looked and it was the manacles. Quand j'ai fini les études, when I finished my studies, je l'ai vu à Yaoundé. I saw him in Yaoundé. Sale. Dirty. C'est-à-dire, il a fini cette prison-là, il a dû faire d'autres prisons. That is, il était déjà un homme, un bandit fou. He finished foiré. That prison, maybe he has finished at the prison, now he was a robber, a bandit. Le péché. Sin. Détruit. Destroys. Ça brise les rêves. It breaks the dreams. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un jeune pasteur. A young pastor. Comme toi. As you. Si tu laisses le péché te détruire. If you let sin destroy you. Tu vas regretter toute ta vie. You will regret all your life long. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dans vos rapports, in your contrôlez le péché. In your relations, you have to control sin. Si vous laissez le péché entrer, if you let sin enter, vos carrières sont ruinées. Your career are ruined. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Si vous voyez un jeune homme réussir, if you see a young man succeeding, c'est qu'il a une sagesse personnelle vis-à-vis du péché. It means that he has a personal wisdom vis-à-vis sin. Il sait se garder. He knows how to keep himself. Quand tu sais te garder du péché, when you know how to keep yourself from sin, même si tu es faible, even if you are weak, tu vas vaincre le diable. You will overcome the devil. Vous devez être une jeunesse forte. You must be a strong youth. Tu vois, je veux vous dire par exemple, aimez-vous mes amis, aimez-vous, mais j'ai peur. You see, I want to say, love yourself, my friend, but I'm afraid. Parce que quand on va finir de vous exhorter, aimez-vous, un bandit va aller dire là, le pasteur Meunier nous a dit de nous aimer. Because when you say, if I, yeah, on va s'aimer. C'était au camp des jeunes. If I encourage you to love you, a bandit will stand up and go and say, Pastor Meunier, don't have peur. But we're afraid. On a peur. We are afraid. On se dit, we tell ourselves, quel est le bandit qui va aller tromper une petite fille que, au camp des jeunes, on a dit de nous aimer, que c'est l'amour, ce sont that, les choses that, du ciel. Robert, who is going to deceive a young lady, saying that at a camp they said that we should love ourselves. Mais les jeunes gens qui vont réussir, but the young men who will succeed, à aimer comme Dieu veut, to love as God wants, seront les grands leaders. Will be great leaders. Seront des grands leaders. They will be great leaders. Ceux qui vont aller tromper, on a dit que, those who will go and deceive, they say, l'amour they said, parfait bannit la crainte. That perfect love banish fear. Et puis ça finit dans l'immoralité. And it ends up in immorality. Ils seront misérables. They will be miserable. Ils seront misérables. They will be miserable.
la jeunesse, the youth, doit vaincre le péché. Must overcome sin. Lis Jean, 1 Jean chapitre 1. Read 1 John chapter 1. Verset 4. Verse 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Continue. Continue. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Il y a une manière victorieuse. There is a victorious way d'engager la marche. To start the walk. C'est la transparence. It's transparency. La transparence. Transparency. Tout ce qui cachent les péchés ne vont pas loin. All those who hide sins do not go far. S'il y a un frère, if there's a brother, qui a commis la fornication, who has committed fornication, ou l'adultère, or adultery, qui a caché, and has hidden, il est bloqué. He's blocked. S'il est dans la salle, if il est dans sous les tentes, lui-même doit sentir que il est bloqué. If he is under the tents here, under the canopies here, he himself must feel that he's blocked. Pour créer le réveil, to create revival, il faut dire à quelqu'un avant de quitter ici. You must tell somebody before you leave this place. Ne cherchez pas Joël Meunier. Qui connaît Joël Meunier? Do not seek Joël Meunier. Who knows Joël Meunier? Tu laisses les dirigeants, tu es l'office du pasteur, je veux te dire quelque chose. you leave aside the leader and or the leaders and you say you are the son of the leader, I'm going to tell you something. Donc cherche les dirigeants. You seek the leaders. C'est dans la transparence que j'ai expérimenté la délivrance du péché. It is in transparency that I experience deliverance from sin. Je peux décrire à quelqu'un comment on vit la délivrance du péché. I can describe to somebody how we live deliverance from sin. Si tu pèches, tu entres sous le lit, tu confesses, tu vas encore pécher. If you sin and you get under the bed and you confess it there, you will sin again. Si tu sors à la lumière, if you come into the light, même ton moi, even yourself, si tu dis à ton moi, if you tell yourself, allons commettre l'adultère à 20h, on va dire ça à la jeunesse. Let us go and commit adultery at 8 p.m. We will tell the youth, we say it at the youth. Ton moi va dire non. Yourself will say no. Pas parce que tu es saint. Not because you are holy. Parce que le moi, because the self, a peur de la lumière. Fear light. Et tu profites aussi. And you also take profit of it. Comme la peur de la lumière. When you fear light, tu dis je reste donc dans la lumière. So you tell yourself that I remain therefore in the light. Et tu as gagné. And you have won. Et tu te retrouves parmi ceux qui sont appelés vainqueurs. And you find yourself in the midst of those who are called
overcomers. Si nous marchons dans la lumière, if we walk in the light, comme il est lui-même lumière, as he himself is light, nous sommes en communion avec lui. We are in fellowship with him. Et nous sommes mutuellement en communion entre nous-mêmes. And we are mutually in communion among ourselves. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est le cimetière ici. It's the graveyard here. Ne laisse pas le moi. Do not let the self sur la surface du sable. Dans la tombe. In the surface of the sand, but in the tomb. Enterré. And buried. Tu rentres libre. You go back free. Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Praise the Lord. Jean dit. John says. La nouvelle qui nous a été annoncée concernant Jésus. The news that was given to us about Jesus. C'est que Dieu est lumière. Is that God is light. Si tu l'aimes, if you love him, tu marches dans la lumière. You also walk in the light. Si quelqu'un n'est pas dans la lumière, if somebody is not in the light, il n'est pas en communion avec lui. He is not in fellowship with him. Mais si quelqu'un est dans la lumière, but if somebody is in the light, tous ses péchés, même ceux qu'il n'a pas encore confessés, tous sont effacés. All his sins, even that which he has not confessed yet, all is blotted out. Vous savez, quand on se repent, parfois on ne peut même pas dire tout ce qu'on a fait. You see, sometimes when you are repenting, you cannot even tell all that you have done. Tu oublies. You forget. Mais quand tu es dans la lumière, but when you are in the light, Dieu se charge de te pardonner même ce que tu as oublié. C'est God, c'est écrit. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. God himself takes the commitment to forgive even that which you have forgotten. Si tu restes dans les cache-cache, if you remain in hide and seek, there are risks. Yeah, Dieu ne peut pas effacer tout. Il sait que tu n'es pas sincère. He knows that you are not sincere. He cannot blot out everything. Le peu que tu connais même, tu ne dis pas tout. The little that you know, you do not tell it all. Mais si le peu que tu connais est dans la lumière, if the little that you know is in the light, Dieu est tellement juste, God is so righteous, qu'il décide d'effacer les autres que tu as oubliés. That he decides to blot out, to clean the others that you have forgotten. C'est pour cette raison qu'il dit, ne commets pas l'erreur de dire que je suis sans péché. That's why he says that, do not mistake saying that I am without sin. Ce n'est pas vrai. It's not true. Est-ce que tu as bien fouillé? Have you checked it well? N'essaie même pas de bien fouiller. Do not even try to check it well. Parce que tu vas finir par trouver que, ah oui, j'ai oublié ça, j'ai oublié. Because you finally find that I forgot this, I've forgotten this. Et il dit, and he says, mais, but Dieu est fidèle. God is faithful. Si en fouillant tu découvres quelque chose, while checking well, you discover something. Confess it. Il va pardonner. He will forgive. Mais si tu as oublié, but if you have forgotten, si ce que tu as dit est clair, if that which you said is clear, toi tu es béni. You are blessed. Parce qu'il va passer le sang. Because he will use the blood of Jesus and pass it over him. Tout sera purifié. All will be purified. Tu veux prier? You want to pray? Je veux un témoignage pour appuyer le fait que le moi peut t'empêcher d'aller pécher si tu es transparent. Oui. Yes. Gloire à Dieu. Je suis Bonsou Luchal Kwadio Kwame. Je vous ferai disciple, le pasteur Meunier. En 2003-2004, j'étais un dirigeant en formation Riviera et je m'étais rendu à Tumodi chez mes parents. Et dans mon zèle, je voulais prêcher l'évangile à nos servantes. Et je me suis mal pris, je suis rentré dans la chambre. C'est vrai, la porte n'était pas fermée. Et j'ai invité la fille pour qu'elle vienne, pour que je lui présente l'évangile.
Mais je m'étais mal pris parce que c'est vrai que j'étais habillé, mais j'étais en culotte. Et pendant qu'elle rentrait dans la chambre, je sentais que toutes mes émotions avaient commencé à partir vers elle. Mais il y a une petite. J'ai reçu dans mon esprit que si je commets le péché avec elle, lorsque je me rends à Abidjan, je me tenir devant l'assemblée pour dire, frère, quand je suis parti, à tout le monde dit, voici le péché que j'ai commis. Quand la pasteur m'a visité, je suis devenu normal. Et je n'ai plus prêché l'évangile. J'ai dit à la jeune fille, sors, et je suis sorti de la chambre. Et en fin de compte, Dieu m'a protégé. Donc je voulais appuyer que, à cause de moi, le fait que j'avais me tenu devant l'assemblée pour confesser ses péchés, toutes mes émotions, toutes les pensées morales qui m'avaient habité ont disparu et j'ai eu la victoire. Gloire à Dieu! La transparence chasse la folie. Transparency casts foolishness away. Qui est déjà délivré? Who is already delivered? Acclamons ensemble. Let us clap together. Parle au Seigneur. Speak to the Lord. Dis merci à Jésus. Give thanks to Jesus. Deux Timothée chapitre 2. Second Timothy chapter 2. Verset 19 à 26. Reading from verse 19 to 26. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.
Amen. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription: the Lord knows those who are his, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Flee the evil desires of youth, and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servants must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of a devil who has taken them captive to do his will. Amen. L'apôtre Paul écrit à Timothée quand il y a quelques troubles dans le ministère. Apostle Paul writes to Timothy when there are some troubles in the ministry. Il y avait beaucoup de faux docteurs. There were many false teachers qui détournaient les croyants. That turned the believers away. Certains annonçaient des fausses doctrines, d'autres disaient que la fin du monde a déjà lieu. Some used to preach about false doctrines and others said that the end of the world has already taken place. Et il a cité certains qu'il avait excommuniés. And he also mentioned some that he excommunicated. Lisez un peu le verset 17 et 18. Read again verse 17 and 18. De Timothée chapitre 2, le verset 17 et le verset 18. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ils renversent la foi de quelques-uns. They overthrow the faith of some. Mais écoutez. But listen. Lis. Read. Néanmoins, nevertheless, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout. The solid foundation of God stands. Il y a les faux. There are false qui ont détourné plusieurs personnes. Who have turned many away. Mais but ils n'ont pas réussi à détourner ceux qui sont posés par Dieu lui-même. They did not succeed in turning away those who have been led by God himself. Il y a une manière de se donner à Jésus. There is a way of giving oneself to Jesus. Qui te fixe comme sur le roc. That fixes you like on the rock. Néanmoins. Nevertheless. Le solide fondement. The solid foundation. De Dieu. Of God. Reste debout. Stands. Ils ont détourné beaucoup de frères. They turned away many brethren. Ils sont même en train de dire aux gens que vous attendez quoi? La résurrection a eu lieu, c'est fini. They are even telling people mangez that, et buvez, c'est fini. They are even telling people that what are you waiting for? Resurrection has already taken place. Just eat and drink, it's finished. Quand vous a trompé. You've been deceived. Et ceux qui sont là, toujours ignorants, c'est vrai ça. And those who are there always ignorant. Donc on nous a trompé. Is it true? So we've been deceived. C'est maintenant que vous réalisez. Is it now that you realize it? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
Let us eat and drink, for tomorrow we will die. Et Paul dit, Paul says, j'ai livré certains à Satan. I have given over some of them to Satan. Imené, livré à Satan. Imené, livré à Satan. Fidèle, given to Satan. Mais, but, ce que Dieu a touché, those who have been touched by God, sont fermes. Remain firm. C'est ça la jeunesse. This is youth. Vous êtes fort. You are strong. La parole de Dieu habite en vous. The word of God abides in you. On va passer par où pour te tromper? Who is going to deceive you? Tu connais la parole. You de know Dieu. The word of God. Les autres, ils sont là. C'est vrai ça. The others are there. Is it true this? Donc l'apôtre Paul là, il n'est pas un homme de Dieu. Hein? So Apostle Paul is not a man of God. Hein? Philet. Explique-nous ça. Explain this to us. Toi, tu n'es pas dedans. You are not of them. Philet n'est pas pour toi. Philet n'est pas encore né. For you, Philetus is not born yet. Avant qu'il ne parvienne à te tromper. Before he succeeds in deceiving you. Dis amen. Say amen. Néanmoins. Nevertheless, le solide fondement solid foundation, posé par Dieu led by reste God, debout stands, avec ces paroles qui lui servent de sceau. These words that serve him as a seal. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. The Lord knows those who belong to him. Et quiconque veut prononcer son nom. And whoever would like to utter his name. Qu'il abandonne le péché. Let him depart from sin. Ça n'a pas changé. It has not changed. C'est ça l'évangile éternel. Ça ne change pas. This is the eternal gospel. It does not change. Quiconque veut prononcer son nom, whoever would like to utter his name, c'est loin de tout péché. Departs from every sin. Quiconque veut prononcer son nom, whoever would like to utter his name, c'est loin de quoi? Depart from what? De tout péché. From every sin. De toute iniquité. From every iniquity. Est-ce que l'évangile a changé? Has the gospel changed? Philet est où? Where is Philet? Philetus. Quand Paul disait ça, Philet était déjà où? When Paul was saying this, where was Philetus? Il était déjà chassé, c'est gentil. Livré à Satan. He was already given over to comme Satan. Comme tu veux mentir, va mentir dans l'enfer. Okay, as you want to lie, then go and lie in hell. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? S'il y a un faux docteur qui te fréquente, if there's a false teacher that is turning around you, mets-le rapidement à sa place. Put him quickly in his place. Lis-nous 2 Jean. Lis 2 Jean. Read for us 2 John. Il faut que la jeunesse doit connaître les gens comme Jean. The youth must know people like John. Prends 2 Jean, lis. Take 2 John, read. 2 Jean, à partir du verset 1. L'ancien, à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs
plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur. Écoutez très bien. Listen carefully. Et l'antichrist. Oui. Continue. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Écoutez. Listen. Continue. Continue. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il a le Père et le Fils. He has the Father and the Son. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient à vous, if somebody comes to you, et n'apporte pas cette doctrine, et n'apporte pas cette doctrine, and does not bring to you that doctrine, that teaching, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Do not receive him in, the, in your house. Et ne lui dites pas salut. Et ne lui dites pas salut. Jean n'est pas un politicien. And do not greet him. John is not a politician. Pas de fausse courtoisie. No false friendship. Quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Dieu fait chair. Dieu fait chair. Tu es là, tu dis à cette toi, donnez-lui de l'eau. Somebody tells you that Jesus is not God made flesh, and you are there saying, okay, give him water to drink. Si quelqu'un vient à toi, if somebody comes to you, il ne te dit pas que Jésus est venu en chair. He does not tell you that Jesus came in flesh and that he is God. Ne lui donne pas la place. Do not give him a seat pour s'asseoir et boire l'eau. To sit down and drink water. Voilà. Le monsieur qui dit que vous êtes fort là, c'est comme ça qu'il traite les dossiers. Alléluia. The man that says, who says Jésus that you are Christ. Strong, this is how he treats the files. Pas de lâcheté. No cowardice. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais dit à un témoin de Jéhovah, assieds-toi. I tell you the truth, I've never told a Jehovah witness, sit down, never. Un est venu, je veux qu'on discute la parole de Dieu. Je dis, est-ce qu'on discute la parole de Dieu? Sors. Il dit, on va. Non. Je dis, sors. I told him, go out. On discute la parole. Déjà même, si tu t'accordes avec lui que vous allez discuter la parole de Dieu, tu as déjà perdu un point. If you even agree with him that you are going to discuss the word of God, you have even lost a point. Est-ce qu'on discute la parole de Dieu? Do we discuss the word of God? Il va rester là avec toi, l'enfer c'est sur la terre. Parce qu'on leur dit de discuter même si c'est à minuit. Un jour vous serez fatigué. He will remain there telling you that hell is on earth. Tu lui poses une question, il laisse. Dès qu'il est coincé, il laisse. You ask him a question as when he's blocked, he leave it aside. Et il reste là. And he remains there. Samedi qui vient, il vient. Samedi suivant, il vient. The following Saturday, he comes. Tu n'as pas de temps. You don't have time. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Is Jesus the Son of God? Non, il faut qu'on discute ça. Oui, sors alors, sors. No, we have to discuss this. No, get out. Sors. Quand tu es divinement impoli comme ça, tu es fort. When you are divinely impolite like that, you are strong. Si quelqu'un vient à toi, if somebody comes to you, essayant de te montrer un autre évangile, trying to show you another gospel, ne lui dis pas comment ça va, à quoi bas. Do not tell him how are you or à quoi bas, welcome. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est avec ça qu'on tient ferme. It is with this that we stand firm. Vous voyez un grand apôtre comme Jean. You see an apostle like John. Il ne s'amuse pas. He does not joke. Il dit plusieurs antichrists sont déjà dans le monde. Les gens ne savent même pas. He said that many antichrists are already in the world. People do not even know. Ils attendent la bête quand la bête va venir. Oh, l'esprit de la bête agit déjà dans les gens. Agit. They are waiting for the beast. No, the spirit of the beast is already acting.
Il dit qu'ils sont déjà nombreux dans le monde. He said that there are already many in the world. Paul vient de dire qu'il y en a qui disent que Jésus est déjà revenu. Paul has just said qu'il n'y a plus rien. There are some who say that Jesus has already come, that there's no more, nothing again. Dans ton quartier, il y en a qui sont là plein. Chacun raconte sa part de doctrine. In your quarter, they are there many. Each one tells you his part of teaching. Plein dans le monde. Plenty in the world. Yeah. Praise the Lord. Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Paul say, depart, flee the passions of your youth. Flee from them. Assieds-toi, tu vois dans ton quartier, qu'est-ce qui passionne les jeunes? Fuis ça. Sit down in your quarter and see what are the passions of the youth. You should flee from it. Normally, tous les frères qui ont posé leurs culottes ici, qui se tiennent devant les frères comme ça, all the brethren ils doivent les enlever avant de rentrer. All the brethren who have put their, il est là, their short ear and stand before the brethren, they are there like this. They took it up like this. They must, pourquoi? They must put it well before they go. Why? Why? Why like that? C'est ça qu'on appelle les passions. Ça n'a rien à voir avec les habits. This has nothing to do with the clothes. This is what we call the passion. Tous ceux qui ont les jeans déchirés doivent les enlever. On va essuyer les sols avec. Those who have jeans that are torn, they must remove them, and then we will clean the floor with it. Ce n'est pas qu'il met ça là. Après, il marche comme ça. Il dit, je suis. It's not that they should put. Après, dit que je suis tenté. And walk like this, and after they said, I'm tempted. And they do like this. Je suis tenté. I am tempted. Faut prier pour moi. Pray for me. Tu n'es pas tenté. You are not tempted. Tu aimes le monde. You love the world. Donnez-nous les serpillères là. Give us the floor clothes. Si vous voyez un frère avec ça ici, dit prêt, va enlever, tu viens nous donner. If you see a brother with this here, you say, oh brother, go and remove it and give it to us. C'est ça qui ouvre l'esprit. This is what that which opens the spirit. Et le diable entre. And the devil enters. Où est Lydie là? Lis ce que tu m'as donné là. Where is Lydie? Read that which you gave le micro. Me. Give her the mic. Il m'arrive de prendre les docteurs là, je dis, enseignez-moi. It happens to me that I take the doctors and say, teach me. Qu'est-ce que vous dites aux gens là-bas? What do you tell people there? Donc ça, c'est l'un des cours que Lydie m'a donné. This is one of the courses that Sister Lydie gave me. Gloire à Dieu. Lis. Read. Gloire à Dieu. C'est un cours de... Une partie d'un cours de psychologie du développement. Et je suis la sœur Lydie Goué. Et je suis psychologue, docteur en psycho, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et la partie du cours que j'utilise est soutenue par le psychologue qu'on appelle Eric Erickson. Et il dit que l'être humain se développe, le développement de l'être humain depuis la naissance jusqu'à la vieillesse et la mort se passe en huit étapes ou huit stades de développement psychosocial. La jeunesse est la période de vie de l'être humain qui s'étend de l'enfance jusqu'à l'âge mûr. La jeunesse est la période de vie de l'être humain
qui s'étend de l'enfance jusqu'à l'âge mûr. La jeunesse est la période de vie de l'être humain qui s'étend de l'enfance jusqu'à l'âge mûr. Elle couvre environ 7 stades du développement psychosocial de Erikson. Elle couvre environ 7 stades du développement psychosocial de Erikson. Continue. Généralement, on distingue l'enfance de la partie de la population qu'on désigne couramment sous le vocable de jeunesse. Bon, ça, c'est un commentaire. Bon. Parce que la définition dit que la jeunesse va de l'enfance jusqu'à l'âge mûr. Mais en général, on distingue la période de l'enfance de la partie de la population qu'on désigne sous le vocable de jeunesse. Donc, l'âge de cette partie de la population qu'on désigne sous le vocable de jeunesse varie de 18 à 24 ans. L'ONU soutient aussi cette assertion-là, que la jeunesse va de 18 à 24 ans. Mais dans la pratique, la jeunesse va au-delà de 24 ans. Même pour eux, au-delà de 24 ans, et nous-mêmes, nous savons qu'après 24 ans, on est encore jeune. N'est-ce pas? Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, Erikson identifie 8 stades de développement de l'être humain, de l'enfance à la vieillesse. Maintenant, le stade de jeune adulte, du jeune, s'étend de 18 à la cinquantaine environ. Donc, les personnes que nous désignons comme jeunes appartiennent au stade 6 et 7 du développement psychosocial de Erik Erikson. Et selon Erikson, là je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train de lire. Selon Erikson, à chaque stade, l'individu est confronté à un conflit ou une crise. Il y a un défi à relever à chaque niveau de développement. Il y a un centre d'intérêt qui caractérise chaque étape du développement psychosocial. Donc, pour Erikson, les individus qui ont de 18 à 30 ans sont appelés les jeunes adultes. Donc, entre 18 et 30 ans, on est jeune adulte. Et à ce niveau-là, le conflit se situe entre ce qu'il appelle l'intimité et l'isolement. Donc, je lis maintenant. Le conflit qui caractérise les jeunes adultes est le conflit entre l'intimité et l'isolement. C'est l'étape, c'est-à-dire l'étape de 18 à 30 ans, c'est l'âge où l'on doit être capable d'établir des liens émotionnels. Des liens émotionnels, moraux et sexuels profonds avec d'autres personnes. C'est l'étape où l'on doit être capable
d'établir des liens émotionnels, moraux et sexuels profonds avec d'autres personnes. Cela exige des compromis, l'acceptation de responsabilités, l'abandon de certains aspects du célibat et de l'indépendance. Donc, pour résoudre cette crise-là, il faut accepter certains compromis. Il faut accepter des responsabilités. Il faut abandonner certains aspects du célibat et de l'indépendance. Et selon Eric Erickson, l'individu qui ne parvient pas à résoudre cette crise reste isolé. Donc, quand vous avez échoué à cette étape de la vie, vous restez isolé. Quand la crise entre l'intimité et l'isolement n'a pas été bien résolue, l'individu est isolé. Donc, vous allez constater que vous voyez un jeune homme entre 18 et 30 ans qui est isolé, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de relation avec les autres et qui ne réussit même pas à bâtir des relations. Donc, c'est ce genre de jeune homme qui peut dire à quelqu'un, vraiment, j'ai vu une fille là qui me plaît, si tu peux m'aider. En fait, il n'est pas capable d'établir les contacts. On l'aide. Il faut qu'on l'aide à entrer en relation avec les autres. Et entre la trentaine et la cinquantaine, selon Eric Erickson, on est un adulte d'âge mûr. On est adulte d'âge mûr entre 30 et 50 ans. Et à ce niveau-là, la crise que vit l'homme est la crise de la générativité. Et à ce stade-là, selon Erickson, l'homme élargit sa sphère de relations, il fonde une famille, il s'investit dans son travail, il s'investit dans la société et il s'investit pour encadrer les générations futures. Donc, à ce stade-là, on fonde une famille, on s'investit dans son travail, on se donne soi-même pour guider les plus jeunes que soi. Donc, ceux qui n'ont pas résolu toutes les crises précédentes restent centrés sur eux-mêmes. Son centre d'intérêt, c'est lui-même. Il est centré sur lui-même. Tout tourne autour de lui-même. Parce qu'il n'a pas réussi à résoudre les différents conflits qu'il devait résoudre pendant les stades précédents. Et ceux qui ont échoué à ce stade-là remettent en question les anciennes décisions qu'ils avaient prises et les objectifs qui s'étaient fixés. Ils les remettent en question. Ils se disent, je n'avais pas bien planifié telle chose. Cette décision que j'avais prise, c'était une mauvaise décision. Ils remettent en question. C'est comme s'ils doivent encore reprendre l'enfance et grandir à nouveau. Donc, ils remettent en question tout ce qu'ils avaient décidé et les objectifs qui s'étaient fixés. Ils sont en quête de liberté au détriment de la sécurité. Bon, je n'ai pas réussi à lire, j'ai commenté un peu. Merci. Ça va?
Donc la jeunesse, si je comprends bien ce que nous disons, so if we understand, I understand well what we are saying, c'est que c'est la phase très essentielle. It is the most essential stage. Avant qu'il ne devienne un jour à regretter. Before you happen one day to regret. Il y a des choses que tu dois emporter avec toi de ce camp. There are things that you shall go back from si, this si camp. Si tu rates, if you fail, un jour tu vas regretter. One day you will regret. Tu vas dire que vraiment, pourtant ce camp-là devait m'aider. You say, oh, but this camp should have helped me. Mais au lieu de profiter, je suis allé chercher Joël Meunier. But instead of taking advantage of it, I went to seek Joël Meunier. Fuis. Flee from les passions de la jeunesse. The passions of the youth. Ça, c'est ce que les gens enseignent. This is what is taught by people. Selon la sagesse de ce monde. According to the wisdom of Mais this quand world. Tu regardes ce que les Écritures nous disent. But when you look, you check it well, you consider that which the scriptures tells us. Tu comprends que nous sommes bénis. You understand that we are blessed. Il dit ne discutez pas. He said, do not argue. Ça crée les querelles inutiles. This create useless quarrels. Il dit il y a de chacun doit se donner la valeur. He said each one should give himself the value. En restant pur. By remaining pure. Les autres disent je ne suis pas vase d'honneur, je ne suis pas vase d'argent, je ne suis pas vase d'or. The others say that I'm not a vessel of honor, a vessel of gold, a vessel of silver. Dieu te dit. God tells you. Tu peux devenir de l'or tout de suite. You can become gold right now. Si tu te sanctifies. If you sanctify yourself. Celui qui se sanctifie. He who sanctifies himself. Devient vase d'honneur. Becomes a sur vessel. Place. A vessel of honor on the spot. Celui qui ne se sanctifie pas. The one who does not sanctify himself. Même si sa nature est de l'or. Even if his nature is gold. C'est l'or souillé. It is defiled gold. Recherche la justice. Seek justice. La foi. Faith. La charité. Charity. Et la paix. And peace. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. With those who call upon the Lord with a pure heart. Donc, il n'y a pas d'isolement ici. So there is no isolation here. Cherche ceux qui sont sérieux. Seek those who are serious. Prie avec eux. Pray with Adore them. Adore avec eux. Worship with them. Tu dis que tu n'as pas la foi. You said I don't have faith. Laisse les gens qui vivent dans le péché. Flee from those people who Va rechercher la foi avec les gens qui se sont séparés du péché. Go and seek faith with those who departed from sin. Tu auras la foi. You'll have faith. Hallelujah. Praise the Lord. Vous voyez comment les mondains s'efforcent à être utiles. You see how the worldly people make effort to be useful. Ils étudient la vie. They study life. Ils savent qu'à tel âge, on peut violer tout, même les règles de sécurité, parce qu'on ne voit que son ventre. They know that at this age, you can even violate and all the rules of security because you only see your belly. Pourquoi? Why? Parce que c'est l'extrême. Because it is the extreme. Imaginez le frère Boniface qui commence la conquête de Côte d'Ivoire maintenant. Imagine Brother Boniface who starts the conquest of Côte d'Ivoire now. Il vient d'arriver à Marcory. He has just come in Marcory. À 63 ans. At 63 years old.
Quand tu prêches, mais tu dis, donne de la vie vite, je n'ai pas le temps. When you preach, you tell people, give your life quickly, I don't have time. Alors qu'en 1995, j'avais le temps. Même si tu me dis, reviens 10 fois, je viens. Though in 1995, I had time. Even if you told me, come back 10 times, I'll come back. Donc quand on a raté, so when you fail, ce n'est pas bon. It's not good. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Fuis les passions de la jeunesse. Depart from the passions of sin. Fuis les passions de la jeunesse. Flee from the passions of youth. Et tu seras béni. And you will be blessed. Donnons-nous rendez-vous pour demain. Let us take an appointment for tomorrow. Lève-toi et prie pour Jésus. Toi soldat du grand roi, la flèche de Dieu, de nos faibles que nul ne défaille. Ô jeunesse vaillante, jeunesse consciente, lève-toi et prie pour Jésus. Toi soldat du grand roi, la flèche de Dieu, de nos faibles que nul ne défaille. Et au sentier,